Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une quête sur TSO et ce sera lien indéfectible. Je vais vous mettre ça à la quête, voilà. L'indéfectible. Allez, on est parti, ça se trouve ici un peu au nord-ouest de la carte de Malabaltor. Voilà. Donc on est parti, enfin le cours rebondissant. Le cours bondissant, c'est ça, le cours bondissant, je crois que j'ai dit. Ah, je suis encore un peu remué, ça m'arrive d'éternuer aussi, donc c'est un peu le bordel. Donc si j'éternue, je m'excuse à l'avance, voilà. J'ai un peu le nez bouché aussi, donc c'est infernal. Allez, bref, on continue. Ah oui, les fameux zombisseurs, je vois ce que c'est maintenant. Ah, bien ça. Et quoi, ils sont morts ou j'arrive pas trop à savoir ce qu'ils font là en fait. Voilà. Ils ont pas l'air très forts en tout cas, c'est déjà pas trop mal. Ah, ça c'est bien ça par contre. Attendez, hop, on va finir ça. Je vais pouvoir faire évoluer entre eux. Il y a encore un... Ah, c'est qu'ils ont jeté un sort et que ça dure. Ouais, c'est ça. Alors, compétence, entropie, qu'est-ce que ça donne? Mais, entropie... Alors, vos attaques d'armes contre la cible vous redonnent de la santé, d'accord. Augmente la santé maximale tant que cette compétence est dans la barre de raccourci. 5% tant que la compétence vous confère aussi sorcellerie majeure que vous vos dégâts sort. Je pense que c'est plus intéressant de prendre ça, non? Je vais prendre celui-là, dégénérescence. Vos attaques d'armes contre la cible vous rendent de la santé. Augmente la santé maximale tant que cette compétence est dans la barre. Je vais prendre ça. Je ferai plus de dégâts. C'est toujours bien savoir de la... Ça peut me soigner les attaques. Tiens, petit truc sympa. Vous êtes folle ! Sortez de là ! Qu'est-ce qui se passe ? Fuyez, pendant qu'il est encore temps. Oh, tu fusionnes ! Ils peuvent revenir d'un... Vous devez être folle. Je vais me moucher, tiens. Bref. Autant saisir ma chance sans poser de questions. Ils sont morts. En pleine discussion. Mais le capitaine et l'anneau et le lieutenant restent introuvables. J'ai repéré des traces, mais elles ne mènent nulle part. Classe, hein. Hein, c'est classe. Alors, vous devez être folle, ouais, c'est ça. Ce que j'ai pas très entendu, j'ai pas beaucoup entendu. Alors, il faut commencer la recherche. Okay. Le camp des chercheurs. Avec un petit... Les morts. Vous avez peut-être... Ok, je rends un foutre, de toute façon... S'il y a des morts, c'est forcément le culte de verre. Les liens d'effectifs, fouiller les campements nord, sud... Ok, d'accord, donc il y a beaucoup de trucs à faire. Ok, on va déjà commencer par ça. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Familier, matriarche, crépuscule... Ah oui, d'accord, c'est que c'est un autre joueur. Ok, d'accord. J'avais pas vu ça comme ça. Tiens, c'est bizarre. L'impression de voir de plus en plus de personnes en armure lourde pour des mages, moi. Alors qu'au départ, tout le monde me gueulait dessus. Ah, signaler un tir, merde, c'était quoi ça? Attendez, je vais essayer de voir ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ça défonce directement le monstre. Sera mon terrain de chasse.
Officiellement, le vice-commissaire Pélidil a utilisé le prince Némon pour servir ses noirs desseins. Bon, finalement, je suis... Oh, quoi qu'on va peut-être aller par là, du coup, directement. Il faut rire avec le petit cri, là. L'une d'un être assez lent, l'autre de quelqu'un qui boite. On se rapproche. Boum, la suite. Du coup, y a rien à prendre dans les camps, non? Y a pas l'air d'avoir grand chose à prendre. Alors ce que je propose, c'est qu'on fasse de toute façon le chemin. Hein. Voilà. On va prendre le cheval, ça ira plus vite. Parce que sinon, je vais mettre des plombs à y aller. Vu qu'ils ont l'air d'être assez lents en plus. C'est con un mob. Qu'est-ce que c'est con un mob. Bon allez. Voilà. Ah, c'était pas prévu que c'était allé sur toi, mais bon, c'est pas grave. C'était sympa ce machin là, qu'il a envoyé. Ensuite, bah, le camp le plus proche c'est celui-là. Hein. À jamais, rien que nous deux, vous verrez. Vous ne l'aurez pas. Je préférerais vous tuer comme les autres. Si tu veux. Après, si tu veux mourir plus vite, y'a pas de soucis pour ça. Hein. Moi, je suis là. Hein. Je suis là. Elle ne sera jamais à vous. Bah, si. Elle est à ma ravie. Non, voilà, c'est mort. Fini. Le chef de l'équipe de photographie, Rallion, a réussi à jouer de la protéger. Oh là là, ça sent que c'est le début de l'hiver. Hein. De l'automne, pardon, j'ai rien dit. L'hiver. Un peu de sous. Ah, j'aime ça des sous. J'aime ça des sous-sous. Des sous-sous. Alors, ça va me permettre d'avoir plein d'argent pour pouvoir améliorer mon sac. C'est toujours non négligeable. Votre chair si souple sera à moi. C'est ça. Eh oui, tiens, voilà, tiens, ta chair si souple. Pff. Ça blablate, mais ça fait pas grand chose, hein. Alors, il y en a trois là. Là, ça craint par contre. Sauf si. Voilà, ça je voulais faire ça.
Bon, tu viens. J'ai entendu la pluie effacer des machins trucs. Bon, tu vas voir, tu paries combien ça va être juste ici. Moi, je te le parie comme tu veux, tout ce que tu veux. La mort est récente. C'est l'épée du lieutenant ? Il ne doit pas être loin. Qu'est-ce que tu m'emmerdes ? Allez, allons-y. C'est parti, mon kiki. Il est là. Lieutenant Evandir ! Vous êtes blessé ? Il est pris au piège par la magie d'Edric. Ceux que vous avez combattu risquent d'en faire un des leurs, ou de le tuer s'ils le jugent trop faible. Si vous souhaitez lui venir en aide, restez sur vos gardes. Vous pourriez bien prendre sa place. Préparez-vous. Le voyage. Fermez les yeux. D'accord. Comme ça. Comme ça, comme ça. Les terrains de chasse. Ah bah allez, vas-y, fais péter. Je prends. Pardon. Ça continue. Voilà, c'est bon, je suis là, en forme. Prends un petit café après. Allez, chargement, vas-y. Attention, vous marchez. Bonjour, salut beau gosse. Êtes-vous prête à libérer votre ami ? Oui. Laissez-moi vous ouvrir les yeux. Voilà. Dans une prison mentale, construite pour l'être que j'étais autrefois, dans les profondeurs de la prison, où le garde-chasse osait broisson. Il vous suffit de franchir une réminiscence d'Ultorn avant qu'il ne devienne le limier. Ok, allez. Un seul dégagera le passage. Choisissez prudemment. Julien. Donc, nous avons l'arc, l'amulette, le totem. Et totem. Il n'y a pas la lance, parce qu'il parle d'une lance. Ultorn, je ne pensais pas que vous seriez si naïf. Vous ne devez pas être digne en fin de compte. Ah. Je prendrai votre corps mortel. Ah bah j'ai pas choisi le bon, j'ai pas très bien compris. Pourtant j'ai parlé d'une flèche en premier dans l'histoire. Allez sur ces flancs. Bah tu peux faire tout ce que tu veux mon pote, tu vas subir la colère du courroux de ma colère. Bon, je suis pas au mieux de ma forme, mais ça va aller. Ah putain, vas-y, qu'est-ce que t'as donné? Ouh. Alors, inventaire, une petite recette, c'est toujours agréable à prendre ça. Si, inventaire, mais fourniture. Allez, ça se fera que j'aille les vendre. Un seul dégagera le passage. Choisissez prudemment. N'oubliez pas la culture que vous taillez chaque nuit en vain. Votre chasse s'achève et la mienne débute.
Ah, j'ai tout merdé sur ce coup, hein. Un seul dégagera le passage. Choisissez prudemment. Bon, bah une fois, j'ai fait les trois. Bon, moi, ce sera le totem, l'amulette. Bien sûr, Ulthorn. C'est une très belle première proie. Oui. Alors, tu... Bien sûr, mais les trameurs m'ont convoqué. Je dois partir pour Sylvenar. Ouais, c'est toujours le problème avec la dame de la forêt, hein. Toujours ça, toujours ce souci-là. Tout découle de ça. Aïe. Voilà. Lampée de magie à la limite. Alors, lisons ça. C'est bien l'endroit où vous placerez votre marque. Un seul dégagera le passage. L'arc, le couteau. Et c'est quoi le troisième? Le bol. Allez, prenons le bol. On est fou. On est fou. Et merde. Je comprends pas ce qu'il faut. Il n'y a pas suffisamment d'indice. Ça me brûle encore. Avec votre choisissez bien l'endroit où vous placez votre marque. Un seul dégagera le passage. Ouais, couteau. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bon, couteau. Putain. Elle l'a rejeté, Ulthorn. Pour un autre, à jamais. Choisissez bien l'endroit où vous placerez votre masque. Un seul dégagera le passage. La dame verte? Mais c'est impossible! Si les trameurs le disent, c'est sans doute vrai. Nous n'aurions jamais dû être ensemble. Non! Tu dois refuser! Gwaering, nous ne pouvons pas être séparés ainsi! Ulthorn, je t'en prie. Mon rôle dans l'histoire tire à sa fin. Alors, l'histoire se trompe! Oui. Vous commencez à me saouler avec votre histoire. De toute façon, ils sont finis par se marier, donc... Voilà. Ça, c'est fait. Amuse-toi bien avec eux.
Je les ai niqués. Bon. Du coup. Alors j'ai bon essayé de lire à chaque fois. Choisissez qu'on en finisse. D'accord. Épée. Fiole de poison. Et totem d'Hircine. Allez, totem. Tu n'aurais pas dû venir. Ouais. 1 sur 3. Craigne Gwaering. Avec l'aide d'Hircine, nous pourrions. Le prince des draps, je refuse d'en entendre plus. Si tu crois que je me retournerai contre mon propre peuple, tu perds la tête. Peu importe ce qu'il en coûtera. Gwaering, je refuse de laisser notre histoire mourir. Je ferai n'importe quoi pour toi. N'importe quoi? Alors arrête. J'ai un devoir envers mon peuple. Je les protégerai de n'importe quelle menace, même de toi. Gwaering. Reprends l'amulette, Eltorn. Prends-la! Et souviens-toi de nous. Comment il s'est fait jeter? Comment il s'est fait jeter? Bon. Oh, il s'est transformé en biche. C'est beau. Je ne peux pas. Le garde-chasse pas assez fort. Nous attend un peu plus loin. J'espère que vous êtes tous les deux assez forts pour en venir à bout. Non. Je n'en peux plus. Vous m'étiez. Je ne me rappelle pas. Oh, quel beau vaisseau à remplir. Revenez, capitaine Trelano. Voilà. Revenez et laissez vos souvenirs derrière vous. Ça c'est fait. Y a rien d'autre à prendre ici? Ça m'a l'air plutôt grand quand même, non? En tout cas, c'est sympa. Oh, des petits champignons. Bon, sérieusement, y a pas un sac, un truc à la con, non? Même pas? Une cachette? Un motif? J'en sais rien, moi, un truc du genre. Y a un chemin là-bas. Qui mène à un mur. Super, génial, top. Capitaine Trelano, rappelez-vous. Allez, vos soldats, deuxième coup. Vous les avez abandonnés. Le feu était si chaud. Je ne pouvais pas les sauver. Oh, quel beau vaisseau à remplir. Quelle force. Ce sera un plaisir de porter votre poids. Voilà, allez, suivant. Hop. Revenez, capitaine Trelano. Revenez et laissez vos souvenirs derrière vous. Guide des guerriers qui montent, ça c'est top. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ah. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Enfin. Le garde. T'as pas envie de bouger un petit coup, non? Tu veux pas bouger? Ouais, parce que là on est en plein dans les feuilles. Non, c'est qu'il faut que je lui parle avant, d'accord, ok. Enfin, où il sera en sécurité. Bien sûr, il suffit. Vous avez sauvé d'innombrables âmes. Il n'y a pas de souci. Vas-y, envoie-moi. Malabaltor, la région nord-ouest de Valbezès, la côte, oui, ça, on sait, hein. La capitale n'est pas terrible, n'empêche, hein. Sylvenar, je m'attendais à un truc exceptionnel. Hein. Même pas. Même pas. C'était trois arbres. Trois grands arbres. C'est tout. Voilà. Même Fanracine a plus de classe. Mais bon, c'est la capitale spirituelle, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Allez, charge. Voilà, prière Hircine, comme c'est beau. C'est beau, un arc, une épée, une dague, une griffe. Magnifique. Que la fête commence, que le sang coule. Super, génial. Où est-ce que t'es? Là. Où suis-je? L'attaque. Le lieutenant. Mon éclaireuse. Le caporal Brélinite. Putain, il faut vraiment que je fasse un truc avec ça. Faut que je sais pas, faut que je prenne de l'argent quelque part, faut que je vole quelqu'un, mais il faut que je dégage des trucs.
toujours être en... Je suis toujours en manque de place, de thunes. Enfin, de thunes, non, ça va, mais... La place, quoi. Toujours la place qui manque le plus. Où suis-je? Mon éclaireuse? Capitaine. Ifre soit béni. Oh, capitaine, mon capitaine. Laisse-moi un instant, afin de m'orienter. Parlons de ce qui s'est passé sur le chemin du retour. Et voilà. Et voilà. Et voilà, les amis. Yeah. Ah, rayonnement peut à présent évoluer. Classe. Alors, guilde des mages. Rayonnement. Invoque. Qu'est-ce qu'il va faire, le suivant? Lumière intérieure. Et augmente votre magie maximale au lieu de la réduire. Invoque une lucule rayonnement lorsque votre commande s'active. Votre magie maximale est augmentée de 12%. Relevez les ennemis cachés. Réduit les dégâts que les attaques discrètes infligent aux ennemis proches. Non, je vais prendre ça. Invoque une lucule de rayonnement qui renforce le sort. Lorsque cette compétence active, votre magie maximale est augmentée de 2%. Et cela, il fait quoi? Invoque une particule de lumière, relève les ennemis cachés. Oh non, j'en ai rien à foutre. Voilà. Et normalement, celle-là, c'est fait, elle me fait avoir des yeux... Voilà. Voilà. Yeah. Yeah, j'illumine. J'illumine. Bon, les amis, on va se dire à la prochaine. N'oubliez pas le petit j'aime, petit commentaire. Putain, c'est classe quand même. Hein. Je vais faire... on va se quitter sur du luth. Voilà. J'illumine de l'intérieur. Allez, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le petit j'aime, petit commentaire. Je crois que je me répète en plus. Salut, salut.